Après les législatives de 2023, les membres de la force Coripoint Bénin Émergent FCBE se sont réunis ce samedi 15 avril au Champ d'Oiseaux de Cotonou pour célébrer en différé la Journée internationale des droits des femmes. Cette célébration a été l'occasion de diverses autocritiques. Le temps pour nous n'est plus au formalisme, mais plutôt à des actions innovantes pour reprendre le dessus. Et pour ce faire, il est impérativement d'évaluer le chemin que nous avons parcouru, de voir nos forces et nos faiblesses, de nous parler en toute sincérité afin de faire les meilleures projections sur l'avenir commun. Cette célébration a également consacré la rentrée politique du Mouvement national des femmes MNF-FCBE. Vous ne faites pas non plus partie des opportunistes qui gonflent le rang des militants et sympathisants des partis à la veille des élections, puis disparaissent à la première difficulté. Vous n'êtes pas des profiteuses. Et c'est le cœur en joie que je voudrais vous dire merci. Merci pour votre constance et votre détermination. Cette rencontre, qu'au-delà de la célébration de la Journée internationale de la femme en différé, consacre la rentrée politique des Amazones de la force Coripoint un Bénin émergent. Ponctuée d'animations diverses, cette cérémonie a permis de rassurer les femmes FCBE des aspirations politiques du parti. La FCBE existe et existera toujours. Votre parti n'ira jamais dans les blocs. Notre parti n'ira jamais au gouvernement. Nous sommes partis à une élection et comme tout candidat, tout parti, si vous allez à une élection, ou vous réussissez ou vous échouez. Nous avions échoué, d'accord, mais comment? That is the question. Personne n'a fait notre liste. C'est ceux qui ont eu leur liste établie et faite et recommandée qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Soumettez-nous vos désiderata et que à l'issue nous ayons de fortes idées pour une bonne conduite des affaires du parti. Pour que en 2026, qu'il y ait plus de femmes encore positionnées sur la liste de FCBE. Que cela permette véritablement de gagner les élections qui vont venir. Nous ne pouvons pas nous passer de vous. Nous savons quel rôle vous avez joué pendant les 10 ans que FCBE a passé à la tête donc, du pouvoir. Nous connaissons votre force de frappe. Et vous avez tout dit. Si vous êtes là et que vous avez déployé toutes ces forces et que nous n'avons pas eu les résultats, c'est qu'il y a eu des problèmes à des niveaux donnés. À l'issue de cette célébration, il a été question de préparer le MNF-FCBE aux prochaines joutes électorales. Elle était belle, belle comme le souffle vivace de la vérité, calme comme la douce face du mensonge.